Salut guys, j'espère que vous allez bien. Je suis accompagnée aujourd'hui, je suis à Québec et je suis avec... Allô! Mon papa! J'allais magasiner pour une autre vidéo que genre que je vais faire quand même, que vous allez l'avoir peut-être la semaine prochaine. Mais mon père avait rien à faire aujourd'hui, puis il était comme « Oh, je vais venir magasiner avec toi! » Mais il faut aussi comprendre qu'il fait tempête, puis de laisser ma fille conduire mon véhicule, on va conduire moi-même. Ah ouais! C'est-tu vraiment pour ça? Hey, il me fait pas confiance ici. Fait que bref, on est en chemin vers le plat... Non, c'est plus Place Laurier, Laurier-Québec. Puis on va aller magasiner. En fait, je vais juste donner ma carte de crédit à mon père. Puis il va magasiner pour moi, je dirais même pas dans quel magasin rentrer. Juste avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Puis de cliquer sur la petite sonnette pour être notifié à chaque fois que je poste. Sur ce, allons magasiner! Alright, donc on est arrivé. Papa, tiens, cache le numéro. Ok. Voici, va magasiner pour moi. Qu'est-ce que tu m'achètes? La première place, où ce que tu nous as apporté? Ben, c'est Marshall. Marshall. Je suis jamais rentrée là, je savais même pas que c'était un magasin de linge. Je sais même pas c'est quoi Marshall, c'est toujours un mélange de Walmart puis Winners, je sais pas. Ouais, il y a à peu près juste toi qui peux porter ça. Tu penses que je peux porter ça? Ouais. Oh my god, tu pas des trucs les plus bizarres. Guys, je vous jure là, magasiner avec mon père, c'était tellement fucking drôle. Okay? Des fois, il s'appliquait tellement, c'était beau à voir, mais comme des fois il pouvait checker quelque chose pendant genre 20 minutes avant de se rendre compte qu'il l'avait pas dans ma taille, genre pouf. Premier item, donc voici un petit top. Il coûtait 14,99$, donc un petit crop top. Déjà, c'est bien. Un crop top, il est serré, il est vraiment doux. Est-ce que j'ai aimé au fur et à mesure où tu montes toute l'outfit? Je te montre l'outfit. Mais ça, c'est une jupe. Oui, c'est une jupe. C'est une jupe que. Que je voyais. Okay. Je sais pas si je suis une fan de la jupe, je la trouve pas mal longue. Oui, je trouve que les couleurs à l'ensemble. Les couleurs à l'ensemble. Ben, remarque que. Ouais. Donc, techniquement, moi, dans ma tête, ça, c'est rose, mais dans le fond, c'est vrai que c'est les reflets qui vont... Ouais, avoir. Les reflets fit, puis... Ça veut dire que le manteau est... Non, pas plus. Et non, ça, c'est... Non, mais regarde comment c'est cute, là. C'est un genre de gros poncho. 46! Il est en spécial à 46$, donc c'est un manteau. C'est comme... Eh! C'est même... Il y a même pas de manche! Ben non! What? Ben... OK! C'est une cape! OK! Intéressant! Oh, ben c'est quand même cute! C'est cute. Je sais pas si l'outfit au complet ensemble va être cute, je vais le mettre, mais j'aime ça. Ok, donc la jupe est mise. Oh, c'est toujours pas. T'aimes ça? Oui. Je me vois tellement pas porter ça. On aurait dit que je m'en vais genre à l'église ou je sais pas quoi là. Ok, c'est vrai que les reflets fit en couleur, hein. Mais le style, je sais pas. Non, mais c'est vrai, la jupe, non. Ça va pas. Là, en plus, ça colle. Oh my god, la statique ou mes jambes. Ok. Oh my god. J'ai l'air de quoi, là. Non, mais tu sais, les amiches, là, tu ça va pas, ça, là. La cape elle-même, ça, c'est cute, là. Ouais. Mais tu peux même l'attacher. Hey, comme si j'avais besoin de. Hey, j'ai l'air d'une joke. Genre, je comprends. Tu sais, t'es clairement allé en termes de couleur. T'as regardé, t'es allé dans neutre. Mais encore une fois, c'est ça, c'est trop... C'est pas assez la même couleur, mais c'est assez proche pour dire que ça fait pas du tout, genre. Puis c'est juste atroce, là. Mais la cape, je l'aime bien. Genre, pairer avec d'autres choses, ça irait. Je vais donner une note sur 10, OK? Moi, je peux te donner une note? Oui, toi, tu peux donner une note. Oui. Maman, tu peux donner une note si tu veux. Genre un 1. Oh, ouais! 4! Tu donnes un 4? Ben oui, c'est bon! Ben oui! Mais c'est juste parce que ça fait trop pas ensemble. Moi, c'est laid. 9! 9? 3 pour chaque. 3 pour chaque thème. Mais c'est parce que là, je juge l'outfit en son tout. Puis dans tout, c'est juste. C'est un nom. Ok, on passe au prochain. Là, il faut que je me change. Bon, la barre est pas trop haute. Oui, c'est ça. Il y a une ancienne place pour l'amélioration. Ok, fait que juste voisin de. C'est ça! On sort du Marshall, il voit le Old Navy, il était comme, ok, en rentre là, j'étais là. Un autre magasin que je magasine jamais là-bas. Mais là, je suis rentré où j'ai vu un coin de liquidation. J'ai dit, ok, c'est bon, on va te faire un kit à 20$. 20$, c'est comme si on avait besoin d'une autre contrainte. Guys! Oh my god! Ben, c'est quoi? Ben là, c'est une chaîne de mécanicien. Genre. Oui, mais je sens que ça va bien te faire. Ah ouais? On va bien voir ça. Fait que ça, c'était vraiment pas cher. C'était au moins c'est à ma taille. Mais c'est à 8. Oh my god, 8,97. Fait que c'est vraiment pas cher. Mais je me demande pourquoi il est autant en liquidation, hein. Peut-être parce que c'est pas si cute. Non, mais il était à X-Mall aussi.
Ouais, c'est genre le seul truc en X-Small. Là, on a l'option small. Il y a un crochet. Non, c'est pas du X-Small, ça. Impossible, c'est même 14. Mais non. Ouais. Bonne chance. Encore une fois, pas beaucoup d'options dans ma taille. Hein? Ouais, il y en a deux. C'est le même. Même modèle. Bon, c'est vendu pour ça. Vendu. Il reste à trouver quoi qui va avec ça. Ça. Et ça, c'est beau, par exemple. OK, ça, ça vient du Forever 21, qui est la dernière place que t'es allée. Puis finalement, t'as tellement trouvé de trucs cute là-bas. Fait que ça, c'était... Il était à 20$. Ah, oh, mais en rabais, là, ça. $10. OK, fait qu'il était à 20$, mais tout était à 50% de rabais là-bas. Fait que ton kit est en bas de 20$. Fait que bravo. Bon, déjà là, moi, on voit, genre, c'est quoi ça, là? Genre, c'est trop pas cute. C'est-tu censé être le dos? C'est peut-être le dos du chandail, hein? Y a-tu... Ah, oh, non, le tag est en arrière. Hé, Seigneur, faudrait porter ça sans brassière, mais en même temps, c'est tellement blanc et mince. Tu verrais comme tout, là. Et là, la pièce de résistance. Hi! Seigneur! C'est petit! Ça me rentre dans le coochie! Oh my god! Donc, tu voulais le laisser ouvert à quel point? Comment? C'est quoi ta vision, là? Moi, je vais attacher ça. Ouais, c'est vrai que si tu le fermes, t'as pas besoin de t-shirt. Ça a pris un col roulé. Donc, voici. Hé, hey, j'ai tellement de l'eau dans la cave! C'est pas possible non, que ce soit fait comme ça. Avec des bottes de rubber, là, pour aller faire le train. Oh là. My god! Donc, voici. Mais je dois dire que le fit est moins pire que je le pensais. Parce que, justement, c'est pas trop grand. Puis, il y a la ceinture qui fait qu'on peut cintrer le tout. Sinon, c'est ça, ouvert. C'est un choix intéressant. Vraiment intéressant. De dos, c'est parfait. Ta-da! Et ça, ouais, ça me rentre vraiment dans la craque. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Ouais, mais au moins le modèle, il est beau. L'idée de créer des poches et tout ça, la ceinture, c'est vraiment beau. Ouais, c'est vraiment moins pire que je le pensais. Honnêtement, là, c'est comme, t'as un petit pouf sur les épaules. Mais c'est ça, c'est vraiment pas pour moi. Je vais donner, en termes de outfit avec en dessous, là, j'allais dire un 3. J'hésitais entre un 3 ou un 4. T'étais assez sévère sur l'autre. Non, mais le premier... Non, mais non, parce que je trouve que... Au moins, on voit plus, genre, mais ça définit mieux mes courbes. Fait que 3, toi, tu te donnes combien? Ben là, 2. 2? Ah ouais, fait que le premier, tu l'aimais vraiment plus. Mais la coupe fait bien, tu sais, mais... Ça. Donc là, ça donne... Toi, t'as donné quoi tantôt le premier? 1 puis le 3, fait que c'est une moyenne de 2. On va se rendre à 10. On va se rendre... Tu penses qu'on va se rendre à 10? Est-ce que tu... On a commencé par le... Non, non, mais c'est 1 plus 3, ça donne 4. Ah, en tout, si t'additionnes tout, on va peut-être se rendre à 10. Mais là, je veux dire que tous les autres outfits viennent du Forever 21. Finalement, tu t'es gâté là-bas, t'as trouvé plein de trucs. Papa, il capotait, là, il était comme... C'était... Il se capotait à quel point c'était pas cher, là. Je vais retourner tous ceux-là. Ouais, parce que justement, c'est du Forever 21, déjà, c'est pas cher. Puis en plus... Tout était à 50% de rabais, genre, pour que ça réouvre. Il a acheté ce chandail-là, là. Ben oui. Il a acheté un autre chandail là-bas. Il était vraiment dedans. OK, fait que montre-moi, fait que t'as 3 outfits de là. OK! Ouh! Une jupe à bretelles. Une jupe à bretelles. Ouais, comment tu dis ça? C'est pas une robe, c'est une jupe à bretelles, c'est ça. Ben OK. Donc, c'est comme... C'est même pas carotté. C'est comme fait un petit peu en laine. Ah, oh, t'as pas ça, c'est le devant. Il y a des boutons aussi. Intéressant, OK. Ouais, bien, OK. Ouais. Ça coûtait 35, encore une fois, 50% de rabais, donc c'est pas cher. Je sens que tu vas avoir l'air d'une petite couvertine qui va aller l'école. Oh, ouais. Puis, je pense que ça peut être vraiment cute ensemble. Est-ce qu'il y a des... Female Warrior. Non, mais là, ça vient gâcher l'outfit. Il y en avait pas qui avait rien d'écrit. Mais là, à l'envers. OK, fait que je vais mettre l'outfit. Je pense que ça, là, ça, clairement, je le vois déjà. Okay, ça va être... Ouais, ouais, ouais. On part à 3. Ouais, là, ça fait qu'on voit quelque part qui fait du sens. Donc, hey, Seigneur. Ils sont bien courts. Mais c'est un crop top. Il est fait pour être court. Ça, je trouve que c'est cute déjà dans les couleurs. Je trouve que le beige va fit bien avec le beige ici. OK! Donc, on va tout rentrer le reste parce que c'est comme un crop top vraiment grand. Je pense que je vais le rentrer à l'intérieur. Sortir tout le temps d'après. Ouais, c'est ça. Mais c'est cute. Hé, hey, t'as peu... Ah, c'est-tu ajustable, ça? Ah, mais ça fait tellement chier. OK, donc, autre que le fait que ça n'a vraiment pas rapport, là. Je sais pas qui porterait ça. Mais c'est moins cute que je le pensais. Sur moi, mais je veux dire, ça fit, là, OK? En termes de couleur, ça fit clairement. Puis j'aime... OK, la jupe, c'est vraiment beau comment ça l'ouvre. Ouais, j'aime la jupe. Ouais, c'est vraiment chou. Par contre, les bretelles sont vraiment... faites grandes, puis sont pas ajustables. Puis je trouve que le top est quand même fait grand en dessous aussi. Ouais, je sais pas si c'est le best. Genre un col roulé, mais blanc. Moulant. Ouais, blanc moulant. Ouais, là, beige moulant, là. Mais juste moulant. Je pense que ça aurait été 3 points de plus. Mais là, comme ça,
Je vais donner un 5. Ouais, on continue à monter. Parce que c'est vraiment, c'est cute. Ben 5, c'est pas tout à fait la note de passage. J'aurais pas envie de sortir comme ça dehors. Mais c'est vraiment, tu sais, il y a vraiment pire, là. T'as quand même bien fait de trop. C'est le chandail qui est pas fait, là. Parce que la jupe, moi, je pense que ça, c'était bien. Oui, non, c'est ça. La jupe est vraiment cute. C'est quand même une longueur assez raisonnable, quand même longue. J'enlève vraiment juste des points à cause du fit, puis à cause de l'écriture. Fait que 5 sur 10, ça, tu donnes combien? 5, ça a du bon sens. Oui? 5, ça a du bon sens. Mais tout va sur la jupe. Oui, les 5 points sont pour la jupe. Mais c'est cute! OK, prochain, il en reste 2. À date, ça va seulement en s'améliorant. Ouais, fait qu'il y a de l'espoir, il y a vraiment de l'espoir. Pour s'améliorer, je pense qu'on va prendre celle-là. Bon. Là, c'était le cinquième, mais là, vu que tu veux aller en progression, puis je commence à comprendre comment ça marche ton affaire. Tu gardes le dernier. J'ai inversé ma rotation. Tu gardes le meilleur pour la fin, tu penses? Ben, je pense. OK, donc, voyons voir. Déjà, je vois la couleur. Ça a vraiment l'air de quelque chose qui m'attire plus que. Parce qu'à date, je pense que tu es allé vraiment dans le neutre. Puis moi, ces temps-ci, je suis vraiment plus à sortir de ma zone de confort, à prendre des couleurs plus flyées. Fait que ça, je suis contente de voir ça. En fait, ça m'étonne que t'aies pris ça. Couleurs plus flyées, noires. Ouais, non, mais ça m'étonne vraiment que t'aies pris ça. Comment ça t'a attiré? Un bout d'îlot. Un bout d'îlot? Ouais, c'est ma façon de choisir le vin. Ça. Moi, tu sais, le bout de l'îlot, là, c'est ça. Donc ça, il était au bout, il était beau. Bon, fait que j'ai bien hâte de voir. C'est vraiment funky. Je sens qu'il serait parfait pour un voyage dans le sud. Puis tu perds ça avec quoi? Un veston. Ah, ça vient. OK. Ça, c'est un truc qui venait. Ça vient du Zara, en fait. Oui, c'est le dernier truc que tu as ramassé. C'est un veston. Ben, c'est pas un veston, t'as peur. Est-ce qu'on voit bien la texture? C'est genre fait en. C'est fait en quoi, maman? On voit même pas. La zibeline. J'ai pas l'impression tant que ça va être le plus beau ensemble. Mais. Si la robe me va vraiment bien, ça pourrait quand même continuer à augmenter le score. Hii! C'est tellement court! Oh my god, je viens de la remonter à la bonne hauteur, puis genre, je redescends ça. Ouh! C'est quoi le motif? Ah, c'est un motif abstrait, on aurait dit genre du marbre. Je sais pas si le orange, c'est ma couleur tant que ça, parce que c'est vraiment flat. Peut-être que si j'étais plus bronzée. Mais là, on aurait dit que je suis pas rendue. J'avais l'impression qu'il était plus orange que ça. Plus orange que ça, c'est dur de faire plus orange. Puis aussi, ce que j'aime moins, c'est que les bretelles, encore une fois, sont pas ajustables. Puis là, déjà, ça fait 2 minutes que je la porte, puis comme, ça descend, genre. Fait que ça, c'est comme ça perd un petit point. Et puis c'est court, là. C'est tellement court. J'aurais peut-être mettre des collants au lieu d'un veston. Ouais, c'est ça. Mais sinon, c'est cute. C'est cute, puis elle va bien, tu sais. Puis c'est, la taille est bonne. C'est cute. OK, fait que voyons voir. 12 piastres. Ah, c'est ça, c'est 12 piastres. Donc, ouais, on rend ça un petit peu plus conservateur. Voici. Non, j'aime pas le veston. Ouais. Ça fait pas de temps ensemble, en fait. C'est vraiment grand. Dans le style. Mais encore une fois, c'est ça. Faut dire que j'ai rien essayé à l'avance. Fait que, tu sais, de voir que. Même moi, des fois, tu sais, je regarde puis je suis comme, ah, je pense que ça va être beau. Finalement, je l'essaye en vrai puis c'est moins cute. Toi, tu m'habilles jamais. Tu sais pas qu'est-ce qui a l'air de quoi sur mon corps. Fait que, il y a ça aussi, là. Mais clairement, je trouve que les deux ne fonctionnent pas vraiment ensemble. Malheureusement, je pense qu'on va descendre. Oui, c'est ça. Fait que c'est bien que tu l'aies pas gardé pour la fin, finalement. Parce que, t'as peur, là. Je vais jamais mettre ça sur mes épaules. On va essayer de se réveiller une chance. Ça... je vais donner un 4. Parce que, encore une fois, en termes d'outfit ensemble, je trouve pas que les deux fit. En termes de style, genre tant qu'à ça, j'aurais préféré qu'on y aille vraiment comme avec un outfit d'été ou bien, tu sais, mettons, genre j'aurais imaginé ça avec un jacket de jean. Ça aurait été vraiment cute, genre un jacket de jean oversize ou tu sais, quelque chose dans ce style-là. Mais là, ça, on aurait dit que c'est tellement genre une texture genre plus preppy, genre vraiment plus madame qui va travailler. Puis là, cette robe-là, c'est littéralement genre, je viens de tourner 18 ans, je me suis saoulé la gueule pour la première fois. Tu te rends, t'as genre du mascara partout en face, t'as perdu ton faux cil, t'as cassé un de tes talons. Fait que je pense qu'en termes de style, ça va que c'est moins... Je sais pas pourquoi j'en mets autant, là. 4! Toi! Non. Toi, tu donnes combien? Je voyais là avec ton chiffre, je suis fier de ça, là. Parfait! Ouais, je suis fier. T'es satisfait avec le 4? Vas-tu faire voir pour en avoir un? Vas-y, il reste un outfit, fait qu'on va bien voir maintenant. Je vois une autre couleur. Ça, c'était un autre bout d'îlot. Sur un mannequin, ça avait l'air spécial. What? T'as pas, c'est une robe? C'est
C'est genre non, un crop top pis un... Ça a l'air d'un veston coupé en deux. Ok! On a... Je pensais que c'était genre des shots à faire avant toi. Oh my god! Ça c'est... C'est hot! C'est toute qu'une pièce, mes amis! Hey, je pense que ça pourrait être vraiment hot, par exemple. Tu perds ça avec quoi? Aucune idée, c'est ça mon problème! T'as choisi finalement une dette. Ok, j'aime la robe. En espérant que... Ouais, qu'il dépasse. Ouais, c'est ça. Ouais. J'aime ça! J'aime vraiment la robe! Encore une fois, genre, c'est comme une espèce de vert, genre, vert néon, tellement pâle que ça vient vers le jaune. En fait, je me demande si ça va avoir l'air beau sur mon teint, bien si je vais avoir l'air malade, là. Mais j'aime le col en carré. Je pense que ça a vraiment du potentiel. Hey, wow! Genre, c'est tellement pas... On aurait dit que tous tes outfits que t'as fait sont à 100% différents les uns des autres, genre. Comme ça j'aurais pas pu... que je savais pas où m'en aller. J'aurais jamais pu croire que tu pourrais choisir une pièce comme ça après avoir choisi genre le premier outfit là. L'outfit que genre moi qui s'en va à la crèche puis genre ça. Ok, on va le mettre. Ok, oh my god! J'aime ça! Une petite doublure à la place. Ok, donc voici la petite robe. Je la trouve vraiment cute. Je sais pas en fait de quoi, j'ai l'impression que ça accentue. Genre, c'est en comme... velours? Oui, il est en velours. C'est ça. J'ai l'impression que ça a un accent. C'est la brillance du velours. Ah, ça, je la préfère vraiment à l'autre. Mais il y a une tache blanche, on dirait, ça. Il y a une tache. Oh, wow, c'est transparent. On voit le tag. Ouais. À l'intérieur. Ouais. Mais sérieusement, là, je la trouve vraiment cool. Je l'aime plus que l'autre, que la orange. Je trouve qu'elle me va mieux, elle est plus longue. La taille me fait mieux. Je me sens confortable, c'est doux. C'est oui, cool. J'aime le petit slit. Puis c'est ça, encore une fois, j'aime vraiment le col. Reste à savoir si ça va être beau avec cette pièce. Oh my god, tout qu'un veston, c'est malade comme pièce. Voir. Oh oui. Tu peux peut-être le descendre, c'est quoi le feeling? Parce que d'après moi, tu peux t'ajuster pour descendre la jupe. Mais c'est parce que si c'est pas censé être une jupe, là, si c'est censé être un veston, mais c'est vrai que ça avait l'air d'une jupe, parce que si c'est un veston, je trouve que c'est une bonne longueur. Tu peux descendre pour qu'il descende plus bas à la taille. En arrière aussi, ça s'ajuste? Oui. Oui, on le descend. Ok, on descend de combien de couches? On le descend à moitié. C'est quand même pas pire que ça s'ajuste, en tout cas. Oui, je le trouve plus beau. Comme ça. Ih, non, moi j'aime moins ça. J'aime moins ça que. C'est beau, par exemple. Mais je trouve que devant, ça fait un petit. Genre, c'est trop un gros espace. Pourtant, tu sais, les bras, c'est la bonne grandeur parce que les bras, ils font bien. Tu sais, les épaules sont à la bonne largeur. Sinon, j'ai l'impression que ce serait peut-être genre trop grand ou trop large. Mais je pense que je préfère quand c'était plus haut. On leur monte de deux coches. La question, c'est est-ce que j'ai gardé le meilleur pour la fin? Oui. Moi, je pense que oui. Ouais. Puis surtout, je pense que ce qui donne encore plus de points, c'est le fait que ce soit aussi différent. Quand même, moi, tu sais, que justement, que je dis que j'aime ça sortir de ma zone de confort puis essayer des trucs différents de plus en plus, je sais même pas si j'aurais créé moi-même cet outfit-là, genre. Mais je trouve qu'il va bien. Fait que sur 10, parce que là, c'est ça, c'est tellement différent de mon style, mais en même temps, je me dis, si j'étais pour porter cette pièce-là, la robe que tu as choisie en dessous est pas pire. Parce que j'essaie d'imaginer avec. Mais la couleur est bonne? Ben oui, j'aime ça. J'aime vraiment ça plus que je pensais. Je pense pas que j'ai l'air malade. Ou peut-être que, en tout cas, je t'écris dans un miroir là, plus que dans mon téléphone. Mais j'ai envie de donner... 7. J'allais dire 7.5. Ah. Ouais, 7.5. Honnêtement, je suis vraiment, vraiment étonnée. Qu'est-ce que vous en avez pensé, guys? Laissez-nous savoir dans les commentaires quel a été votre outfit préféré. Puis si vous voulez qu'on fasse une partie 2, en fait, je vous explique le contexte, ok? J'avais déjà demandé à mon père qui magasine pour moi, puis il l'a fait en ligne, mais finalement, je suis ici, je les visite à Québec, fait qu'il a décidé de venir en vrai. Mais il y a encore le cart de plein, genre tout préparé. Fait que si jamais vous voulez une partie 2 de mon père qui magasine pour moi, laisse un like puis on va quoi? Mais là j'ai un peu d'expérience, je peux-tu changer mon cart ou faut garder oui. Le même? Ben oui! Ok, tu peux c'est faire bon. Ce que tu veux! Hey, je commence à avoir chaud avec ça là. Mais c'est ça, fait que sur ce guys, je vous aime fort, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se voit dans la prochaine vidéo! Bye!